Alors là, j'arrive sur mon terrain et comme à chaque fois d'arriver chez moi, il faut que j'ouvre le portail. Sauf que aujourd'hui, je découvre que des ferrailles ont été rajoutées juste devant le portail de ma maison. Le tout accroché à la remorque du voisin. Donc je ne comprends pas trop c'est quoi le signal, pourquoi. Donc ça a été enfoncé à la masse, hein. Faut savoir que c'est à peu près à cette hauteur-là normalement. Donc là, ça a été enfoncé sur une profondeur assez importante avec une masse. Donc on peut voir que très concrètement, c'est pour m'empêcher de rentrer chez moi. Donc je vais devoir déposer plainte. Du coup, on va découper ça à la meuleuse parce que là, c'est enfoncé tellement profond avec une masse que je pourrai jamais le retirer. Donc il en restera un morceau dans le sol. Bon, si je fais ce genre de vidéo, c'est pour montrer qu'il y a vraiment des gens qui ont des comportements qui sont déplacés. Sachant que moi, je demande rien à personne. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Donc, après discussion avec mon voisin, apparemment, pour lui, ça, c'est la borne du terrain. C'est la borne, en fait, de mon terrain. Et ça, c'est l'autre borne de mon terrain qui délimite également une voie communale d'accès, en fait, chez moi. Et donc, ce qu'il dit, c'est que mon portail, vous voyez, en fait, il devrait pas être ici. Enfin, il devrait pas être là, il devrait être là, en fait. Vous voyez le portail, moi quand je l'ouvre, il s'ouvre par ici, il s'ouvre par là, donc il s'ouvre même pas chez lui. Mais il ne veut pas que je passe en voiture sur cette petite bande de terrain. Donc il veut que je décale mon portail. Bon après, on va pas se mentir, hein, l'ouverture est tellement faible. Vous voyez la largeur là, il y a à peine de quoi passer une voiture en réalité. Hein. Parce que vous voyez, ça fait tac tac. Donc du coup, je sais pas comment je vais faire pour déplacer mon portail, je suis un peu embêté.